Des triceratops. Yo les mecs, c'est Fectafun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man. Et on va continuer la série des on teste les tenues. En fait, regardez. Pour la sortie du nouveau film Spider-Man Far From Home. Enfin, je dis peut-être pas bien, mais voilà, on s'en fout. On a deux nouvelles tenues. Donc, la tenue améliorée et la tenue discrète. Donc, en fait, ça spoil un peu le film. Voilà, tu sais déjà qu'il aura ses tenues dans le jeu. Donc, je vous mets un petit screen, voilà, des séries que j'avais fait, voilà. Je mute mon micro, voilà, pour pas que vous ayez les bruits de la manette et tout, parce que c'est chiant. Donc, on faisait des bases, repères de Fisk, des démons et tout, donc là on va en faire que deux parce que du coup il n'y a que deux nouvelles tenues et comme vous pouvez voir elles ont pas de pouvoir de tenue, donc ce que je faisais c'est que je mettais le pouvoir de tenue de la tenue amélioration de Stark, donc c'est le Spider Compagnon parce que c'est mon préféré tout simplement. Et après ils ont peut-être rajouté des endroits sur la carte, mais après j'ai pas fait tout le tour, mais je vais vous en montrer un juste là. Et comme vous avez pu voir sur les dernières vidéos, j'ai fait plusieurs intros code créateur. Donc c'est je vais garder tout le temps le même intro. Donc c'est l'intro que j'ai fait dans la dernière vidéo. On s'entraîne clavier souris. Donc en gros il est juste là. Ça avant je peux vous garantir ça n'y était pas. Et en gros, le flic là, juste là. Ah non, j'ai un. Non. J'ai cru que c'était le père de Miles Morales. Pour ceux qui ont suivi le jeu, mais bon. Pas grave. Nous, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va faire une base, donc repère de Fisk. Et let's go. Je mute mon micro. Et on se reprendra au prochain changement de tenue. Nous nous réservons le droit de ne pas servir et d'expulser les criminels. C'est écrit juste là. C'est faire baisser la criminalité en arrêtant Fisk. Je me suis peut-être emballé. Tout le monde nous sous-estime. Les flics, Spider-Man, la Mafia. Et ça va leur coûter cher. En fait, ce sera plus simple quand le boss sera sorti. Tout le monde sait que c'est lui le Kingpin. Tout le monde se méfiera de lui. Crois-moi, il... Oh non,
bien l'œil. Je le vois plus. Sonny, c'est beau rêve. On a un problème. Il y a un truc qui va pas. Appelez les autres. C'est fini. Je l'ai fait Spider-Man. Ramenez-le. Ok, mettez-vous en randonnion. J'oublierai personne, promis. Plusieurs personnes qui courent vers moi, je me dis toujours que c'est pour me tuer. Et c'est souvent vrai. Spider-Man, tous les ouvriers affectés à ce chantier semblent récemment avoir gagné gros à Atlantic City. C'est un moyen facile de blanchir de l'argent. C'est peut-être là que Fisk garde tout son liquide. Il faut mettre fin à tout ça. On va lui mettre la pression. Je m'occupe du mandat. Déjà pris les devants. Des nouvelles têtes! Ah, ça tombe bien! Je commençais à en avoir un peu marre des autres! Descends de battre! Plus d'ennemis! Ah, c'est beau cet attachement inconditionnel qu'ont ces types envers Willy! Au point de venir quémander des tatanes! Vos hommes ne rencontreront aucune résistance ici. Et Wilson Fisk continue d'enchaîner les déconvenus. Bien joué. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai assez bien géré. J'ai essayé de faire plusieurs techniques et tout. Alors, ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait au début de combat là, les accrocher ici, ça passerait mieux avec la tenue discrète parce que ça, c'est des éliminations à hauteur, donc pour pas que les ennemis nous voient. Donc là, on va passer à la tenue discrète. Elle est quand même assez stylée, je trouve. Bon, à part ça, ils ont pas sorti une nouvelle tenue ou quoi. Toujours pas de mission annexe ni de DLC. Alors les DLC, je les avais fait, sauf que il y avait des épisodes que j'avais oublié de tourner. Du coup, je me suis dit vas-y, ça sert à rien que je les poste, ça va plus avoir de sens. Donc voilà, s'ils en font un de DLC, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dessus, mais je pense pas qu'ils vont le sortir tout de suite. Bon, alors avec lui, je pense qu'on peut aller se faire quoi. Allez, la base des démons tout là-bas, pour voir un peu le gameplay qu'on est dans les airs et tout. Donc c'est parti. Je remets mon micro et on se retrouve à la fin. Ciao.
pardon. D'habitude, je suis plus haut. Ma tenue embarque un algorithme qui peut prédire l'itinéraire des kidnappeurs. Alors aussi, je voulais dire un truc à propos de... Est-ce que Spider-Man peut mourir? Oui. À part quand il est en combat, il peut mourir. Et dans la ville, il y a un moyen de le tuer, c'est de se mettre devant le train. Et quand le train y passe, et ben, il meurt. Je crois que c'est le seul moyen que les combats qui meurent. Bon, c'est une petite aparté. Let's go. Bonne nuit. Nous ne ronflons pas. Les nouveaux, ils checkent ceux qui sont déjà là et ils retournent sur le banc, non? Dites-moi la vérité, vous attendiez juste à côté que je pense avoir gagné, hein? Bande de méchants! Peter, il semblerait que Lee ait racheté un atelier de carrosserie tout à fait légitime. Ouais, ça explique d'où viennent tous les véhicules des démons. Les camions, les ambulances... Exactement. Si tu mets fin à leurs opérations, ils auront plus de mal à passer incognito en ville. Hey, j'imagine le message groupé qui vous a tous fait venir ici. Avant qu'on commence, je voudrais vérifier la capacité maximale des lieux. Dans
MJ, je crois que j'ai fait plus de dégâts que de réparations chez nos amis carrossiers. T'en fais pas, je préviens la police. Ils vont s'occuper de tout ça. Bon, voilà. Donc, on a terminé. Attends que ça charge. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo... Attendez, attendez. Je vais juste vous montrer que Spider-Man peut mourir. Et là voilà, il meurt. Bon bah voilà les gars, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien sûr elle est beaucoup plus courte parce que là il n'y avait que deux tenues à tester. Avant il y avait toute une ligne. Donc je sais même plus il y a combien de tenues dans une ligne. Attendez. En gros, on faisait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on faisait 5 tenues. Et là il n'y en a que 2. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao.